Ce petit film illustre l'histoire géologique du Massif central pour le site de Bussière-Beaufy. À l'ère primaire, le sol est alors composé de granit. Il y a 300 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, se produit la montée d'un magma leucogranitique, c'est-à-dire un granit contenant des roches claires, dans le granit plus ancien. Une faille se forme ensuite, avec un déplacement latéral et vertical. Par cette faille, l'eau contenue dans le magma leucogranitique va remonter, provoquant des geysers. La silice de l'eau remontée va se déposer dans la faille en formant du quartz. L'érosion du relief donnera la situation actuelle avec les rochers de Frochet, Roche et les monts de Blon.